Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Sophie, comment tu vas Bonjour. Ouais, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième émission du local et pas des moindres puisqu'on reçoit aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sophie Binet, donc, euh, la secrétaire générale de la CGT. Alors on va revenir sur ton parcours, on va revenir aussi sur tes responsabilités euh, euh, que tu endosses depuis le 31 mars dernier. Euh, tu as été élue euh, lors du 53e congrès si je ne me trompe pas. Euh, à l'issue d'une soirée assez euh, d'une nuit ouais. d'une nuit mouvementée, à euh, 82% des voix, donc euh, mmh. c'est honorable. Euh, tu as euh, plein de caractéristiques. Tu as un parcours militant euh, très long puisque euh, tu milites depuis le lycée, hein, quasiment. Donc on va revenir là-dessus. Euh, on va revenir aussi sur euh, euh, bah, tes différents euh, engagements au sein de l'UNEF, mais aussi à la CGT. Euh, depuis 2010, tu milites avec la CGT, tu as d'abord été à l'UJCGT, donc plutôt côté ingénieur, car donc un peu à rebours aussi de la tradition ouvriériste, ça c'est intéressant, on pourra revenir là-dessus, et puis aussi tu euh, travailles, euh, tu as beaucoup euh, été engagée aussi euh, euh, en tant que euh, bah, féministe, tu as euh, notamment piloté le collectif Femmes Mixité depuis euh, une dizaine d'années, avant du coup d'être euh, secrétaire nommé en tant que secrétaire général de la CGT. J'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez aussi euh, discuter, poser les questions dans le chat et puis certaines remonteront. On pourra y répondre bien sûr. Euh, avant de commencer, donc euh, que les gens découvrent un peu plus ton parcours, euh, je voulais un petit peu qu'on revienne sur ton rôle de secrétaire général. On a souvent l'idée de dire que tu es la chef de la CGT. C'est bien plus compliqué que ça puisque la CGT n'est pas une, euh, comment dire. Euh, euh, C'est une multitude d'organisations, hein, ce n'est pas une seule organisation. On a des fédérations, des syndicats d'entreprise, des unions départementales, régionales, locales, etc. Donc il n'y a pas vraiment de chef. Et du coup, je me, je me suis il si, dit... y en a plein. Alors, <laughs> du coup, il oui, y a plein de chefs, mais il n'y en a pas un seul, on va dire, mmh. qui serait au-dessus euh, des autres. Comment tu pourrais décrire ton rôle, tes responsabilités euh, en tant que secrétaire général euh, eh bien, mon rôle, c'est d'abord de représenter euh, la CGT, c'est aussi euh, de la rassembler, euh, parce que donc, euh, la Confédération CGT, elle rassemble des fédérations professionnelles et des euh, unions départementales euh, au niveau territorial, et que le fonctionnement de la CGT, il est très décentralisé, c'est un fonctionnement très démocratique qui part d'en bas, mm -hmm. où ce sont euh, les syndicats de sites et euh, d'entreprises qui décident, avec euh, les syndiqués et avec les salariés, euh, des orientations qu'il et elle souhaite porter, des actions qu'il et elle souhaite mettre en place, et donc le rôle de la confédération, c'est de faire converger mmh. tout ça et de donner un cap commun. Mmh. Et donc euh, disons que moi ce que je trouve génial c'est que euh, ça exige euh, un gros travail euh, démocratique et de mmh. proximité parce que évidemment c'est pas je me lève un, un matin j'ai l'idée de faire quelque chose et ça y est c'est parti mmh. est, il faut le discuter le construire collectivement et c'est ça qui permet de gagner que ça soit porté mmh. très largement par l'organisation et pas seulement mmh. par euh, quelques uns tu centralises un petit peu toutes les idées qu'il peut y avoir tu euh, t'occupes un petit peu de comment dire de, de créer une ligne on va dire pour que les choses euh... Suive le bon. Pour, j'ai envie de dire... Euh... Alors c'est encore un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire centraliser toutes les idées. Non, pas forcément, parce que en fait, le principe de la CGT, c'est que euh, chacun, chacune doit faire les choses mmh. aussi à son échelle. Et donc, euh, tout ne repose ça pas sur clair. la confédération. C'est euh, les syndicats d'entreprise, par exemple, qui décident du rapport de force à mettre en place face à leur employeur pour se faire entendre sur mmh. leurs revendications. Mmh. Mmh. Et euh, ce n'est pas de la responsabilité de la confédération. Oui. Par contre, la confédération, elle prend ses responsabilités s'il euh, y a un, un manque de respect de nos mmh. valeurs et euh, de nos statuts fondamentaux, notamment en matière de sexisme, de racisme mmh. ou euh, de positionnement d'extrême droite, qui sont incompatibles avec les orientations de la cgt. et là, oui, la confédération euh, tranchera avec les fédérations et les unions départementales. donc, euh... vous êtes en communication constante, en fait, euh, pour que ça fonctionne correctement, j'imagine. Euh... oui, tout à fait. Euh, et donc, on a beaucoup de cadres de, de débats et de discussions collectives. et après, la confédération, en fait, elle elle se charge de euh, tout le positionnement de la CGT dans la société d'une mmh. façon générale. Donc, euh, euh, par exemple, quand euh, là il y, y a un débat sur le projet de loi immigration, c'est la, la confédération qui va euh, déterminer le, le, le positionnement, avec des débats évidemment démocratiques. Euh, on a des négociations interprofessionnelles qui ont lieu sur la question du chômage, sur la question des retraites complémentaires. Mmh. C'est la confédération qui euh, les pilote. Euh, et qui va débattre aussi plus largement, évidemment, avec les fédérations, avec les unions départementales du, euh, du positionnement. Et puis, dès qu'il y a euh, des actions interprofessionnelles à construire, il euh, y a des actions qui peuvent se faire à l'échelle seulement d'un territoire parce qu'il y a des choses qui dépendent seulement d'un territoire. Par exemple, c'est euh, la CGT des Deux-Sèvres hein, qui a impulsé toute la bataille euh, mmh. contre les méga bassines à Sainte-Soline, par exemple. Ouais. Voilà. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, ça, c'était leur responsabilité. Et la CGT des Deux Sèvres l'a fait après avoir en, en avoir débattu de façon approfondie avec tous les syndicats d'entreprise des, euh, des Deux-Sèvres. Mais par contre, la CGT dans son ensemble, elle va pouvoir euh, porter des actions euh, plus générales au mmh. niveau national et au niveau interprofessionnel euh, sur toutes les questions sociales et sur toutes les questions sociétales. Ça peut être évidemment sur la question des retraites, où c'est la confédération Particule... qui a piloté la, la mobilisation, sur la question de, des salaires, sur les, les questions environnementales, les questions d'égalité femmes-hommes, euh, etc. Mmh. Et toi, concrètement, euh, quels sont tes objectifs pour ce mandat est Ce que tu t'en es fixé Est-ce que euh, y a des choses qui ressortent euh... Bah, d'abord, euh, c'est pas des objectifs personnels, c'est mmh. des objectifs collectifs, Collectif, puisque euh, donc il euh, y a une équipe, notamment un bureau confédéral avec, euh, on est 14 au, au bureau confédéral, et puis euh, une commission exécutive confédérale à 60. On a d'abord des objectifs qui nous ont été fixés par euh, les syndiqués et les syndicats, puisque mmh. on a été élus par un congrès Tout avec un fait. document d'orientation. Et euh, le premier objectif, c'est ce que j'ai dit dans mes conclusions, c'est de rassembler l'organisation puisqu'on a eu un congrès qui a été un petit peu compliqué. Oui. Est-ce un... que tu peux revenir peut-être dessus pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi à ce moment ce qui s'est passé rapidement euh... oh, je, vais, je vais y aller très rapidement oui, parce oui, que oui. je pense qu'on a tourné la page maintenant, mais oui. euh, on a eu un, un congrès compliqué avec euh, euh, des clivages qui s'accroissaient dans l'organisation et des logiques de blocs. Mm -hmm. euh, et donc ça, c'est délétère pour, pour la CGT oui, qui ne peut pas fonctionner sur des blocs. Ça ne peut pas être 55% contre bien 45%. Sûr. On n'est pas du tout sur le fond par exemple des organisations politiques, euh, nous, il faut toujours qu'on vise des majorités beaucoup plus larges, euh, au moins des deux tiers, c'est toujours euh, un peu mon, mon seuil, parce que si on n'atteint on pas ces majorités, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas capable de rassembler le monde du travail. Le monde du travail est très divers en fonction des catégories socioprofessionnelles, avec entre... la pluralité aussi euh, des, des secteurs dans lesquels la CGT est présente. Exactement. Hein. Euh, donc, euh, monde du travail divers entre, par exemple, les cadres et les ouvriers, entre les cheminots, les routiers, <laughs> entre euh, ceux qui travaillent dans Très le pétrole plus, ceux ça. qui travaillent dans le nucléaire euh, entre euh, celles qui travaillent dans les métiers du soin ceux qui euh, vont être ouvriers du bâtiment il y a des réalités extrêmement diverses, avec aussi des contradictions, notamment sur les mmh, questions mmh. environnementales. Et donc, pour les dépasser, pour être en capacité de rassembler, il y a un travail démocratique important à faire et on ne peut pas être sur une logique du blo de bloc. Donc, vraiment, euh, mon premier objectif, c'est de rassembler le, la CGT. Là, on y arrive plutôt bien. Euh, et maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir transformer le, la CGT pour qu'elle réponde aux défis actuels et notamment pour que... Euh, Comment dire, euh, on soit à la hauteur du moment. Oui. On est dans, dans un moment qui est très particulier, avec plein de potentialités, mais aussi plein de choses extrêmement inquiétantes. Oui. Bah surtout que tu as euh, donc euh, pris les, les fonctions dans un contexte très particulier. On était en plein mouvement euh, contre la réforme des retraites. J'imagine que ça a dû jouer aussi euh, sur euh, euh, les ambitions euh, que tu as pu avoir. Euh, comment ça s'est passé justement euh, à ce moment-là Parce que la CGT était vraiment euh, bah, très présente pendant les manifestations. Comment. Euh, Comment j'ai envie de dire, la passation s'est faite à ce moment-là Ça n'a pas été. Euh... Bah ça a été sportif. Oui, j'imagine. En fait, j'ai mis une semaine à dormir. Pendant une semaine, j'ai pas dormi. Je ne savais pas que j'étais capable de ça, <laughs> parce que moi, normalement, je suis une marmotte. Euh, donc, euh, voilà, message à, à toutes et tous. Euh, ne vous dites jamais que c'est impossible, <laughs> parce qu'on peut faire des choses complètement incroyables quand on est porté, en fait. Moi mm. C'est parce qu'on sent qu'on est porté par une mobilisation, par une dynamique, qu'on euh, réussit à faire ça. Euh, donc oui, ça a été très intense, mais euh, là maintenant, aujourd'hui, moi, ce qui me reste toujours à l'esprit, c'est euh, la responsabilité qu'on doit avoir par rapport au rôle que jouent les organisations syndicales et la CGT dans le pays. Mmh. On a eu une mobilisation contre les retraites qui a été euh, incroyable. Malheureusement, le président de la République a choisi de passer en force grâce aux instruments dont il dispose dans la Ve République, qui sont il euh, y a aucun autre pays en Europe où on peut faire ça. Donc Tout moi, je, je continuerai à dire, à trouver que c'est proprement scandaleux, c'est gravissime, ça pose un problème démocratique grave. Euh, en attendant, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit à la hauteur de la mobilisation et qu'on continue à arroser les graines qu'on a semées ensemble. Dans ces graines, il y a le fait d'avoir remis le syndicalisme et la CGT notamment au centre du débat public, alors que le patronat et euh, Emmanuel Macron voulaient... Euh, Faire croire que mmh. les organisations syndicales, c'était le 19e siècle, c'était un peu poussiéreux. Et donc, on a euh, 50 000 nouvelles et nouveaux syndiqués qui ont fait le choix de rejoindre la CGT, c'est déjà super. Oui. Et donc, là, il faut vraiment qu'on travaille pour les accueillir, leur ouvrir grand les portes, et puis surtout se dire que c'est pas fini. Parce que en France, en fait, on est dans une situation très particulière où on a une forme de syndicalisme par procuration. C'est ça. Il y a plein de gens qui soutiennent les syndicats, mais notamment les jeunes. Hein. On a une cote de popularité chez les jeunes qui est incroyable, mais par contre, le taux de syndicalisation il est très faible. Et donc, c'est là-dessus qu'il -ce qu faut qu'on qu travaille. Qu'est-ce qui fait que les gens sont, bah, comme tu disais, très, euh, bah, euh, voilà, sont en accord avec ces valeurs, etc., mais ne se syndiquent pas Tu penses que c'est un manque de de connaissances, un manque de qu'est-ce qu'il pourrait faire de ça euh... ouais, Je pense qu'il y a plein de choses cumulées. Il euh, y a d'abord le fait qu'il y a des traditions syndicales qui se perdent et donc il faut que on, on entretienne. Il y a euh, ensuite le fait que euh, aujourd'hui en France, malheureusement, il y a trop de discrimination syndicale. Donc ça, ça pèse aussi. Oui, la euh... peur aussi euh, d'avoir ces responsabilités-là, peut-être euh, en tant que syndicat, d'avoir des pressions supplémentaires. Bah, quand la peur du syndicat... patron, oui, tout, tout simplement. Parce que, qu'effectivement, ouais. il euh, y a un certain nombre de patrons qui ne ne souhaitent pas que leurs salariés se syndiquent. C'est ce que Manon disait il y a quelques semaines par rapport mmh. à ça aussi, que du coup, il y avait un rapport de force différent euh, entre euh, les salariés, on va dire, euh, lambda et puis ceux qui, qui étaient syndiqués, ça... Ça ne devrait ça pas, mais donne. ça change vachement ouais. la donne. Hein. Et donc, euh, exactement. Donc, du coup, ce qui est important à dire sur les questions de discrimination syndicale, bon, d'abord, il ne faut pas être bisounours, il faut dire ouais. que ça existe. Euh, et Du coup, quand on le sait, on a des stratégies pour les dépasser. Et ensuite, ça se dépasse. Et ça se dépasse comment Par le collectif. Mmh, mmh. Si vous vous syndiquez tout seul et vous vous affichez tout seul du jour au lendemain, euh, coucou, je suis la CGT, etc., c'est sûr pas. que pour le patron, ça va être facile de euh, vous désamorcer assez vite euh, d'une façon ou d'une autre, en fait. Donc, il, une faut. Force, de... il faut force d'abord avant de c'est ça il faut L'idéal, en fait, c'est euh, de travailler avec ses collègues un peu en sous-marin. Et puis, quand euh, vous êtes prêt, de dire, bah, tiens, euh, on est 5, on est 10, on est 15, on est 20, on est 50, et mm -hmm. on crée la CGT dans notre entreprise. Et là, le patron, il ne pourra rien faire. Ensuite, l'autre truc qui est important à dire par rapport à ça, c'est que la loi française, heureusement, elle est claire, et d'ailleurs la loi mondiale, hein, euh, elle interdit la discrimination syndicale. C'est interdit. Et donc, on a des moyens d'action contre les discriminations syndicales. On a aussi des moyens de protection. Euh, notamment quand on est représentant syndical, on est protégé du oui. licenciement. Et donc, c'est aussi ça pour euh, toutes celles et ceux qui se disent, tiens, est-ce que je vais implanter la CGT dans mon entreprise Il faut qu'on travaille ensemble la stratégie. Mais la stratégie qu'on a, c'est euh, de ne pas vous dévoiler avant. Euh, les élections professionnelles ou avant de vous avoir mandaté comme représentant syndical. un peu un de... effet de surprise aussi qu'il faut créer. Déjà, <laughs> et puis surtout, euh, nous, on vous mandate, et comme ça, ça permet de vous sécuriser par, mm -hmm. par rapport à l'employeur qui ne peut plus fait. vous licencier. Même s'il va tenter potentiellement de le faire, il n'a pas le droit. Il ne pourra euh, pas. Voilà. Il voilà. pourra pas, et euh, vous serez sous la protection de la CGT. Et puis, le dernier point qui est important à dire sur la discrimination syndicale, c'est que dans la CGT, il euh, y a des choses qui, qui cimentent, mm -hmm. et ce qui cimente, c'est la solidarité. C'est euh, dès qu'on touche à un cheveu d'un militant ou d'une militante de la CGT, c'est ben toute autres. la CGT qu'on attaque, et donc c'est toute la CGT qui se solidarise pour défendre. Et ça, c'est ce qui fait vraiment notre force mmh. face aux employeurs. Et en fait, ce qui est génial à la CGT, c'est que en fait, en se syndiquant, d'abord la CGT, c'est vous, c'est nous, c'est mmh. comme ça fonctionne par en bas. En fait, c'est si vous décidez de créer la CGT dans votre entreprise, ça veut dire que c'est vous qui allez mmh dans le cadre évidemment des grandes orientations de la CGT, euh, définir quelles sont les revendications prioritaires, qu'est-ce que vous avez envie de développer comme mode d'action, euh, quelle stratégie face au patron, etc. Puis on va vous aider et vous former pour, euh, pour ça. Et puis ensuite, le deuxième truc génial, c'est que ça permet de casser l'isolement et de construire des solidarités avec ses collègues. Et se au -delà de se rendre compte qu'on n'est pas seul aussi ouais. euh, dans euh, parfois euh, bah, les souffrances qu'on peut avoir, etc. Ou même dans les, des, dans les ambitions qu'on a, en fait, euh, Voilà, se, se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et qu'en plus, on est plus efficace euh, à plusieurs. Et dès qu'on sort de, de son entreprise, bah, on trouve partout plein de camarades de la CGT. Moi, camarade, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et euh, je trouve oui. ça génial de pouvoir, par exemple, je vais à la caisse au supermarché et puis le caissier me dit Ah, mais on est camarade. <laughs> et voilà. Et ça, ça m'arrive tout le temps. Tous les jours, euh, ça à fait chaud coeur, plein de moments. Ça, ça fait chaud au cœur et on se sent tout de suite très fort parce qu'on sait que quand on est camarade on se connaît peut-être pas, mais il y a une solidarité fondamentale. Je sais que je pourrais compter sur cette Instinctive personne. Instinctive presque. Voilà, ouais, c'est ça. Mm. Et euh, d'ailleurs, tu, tu parles de solidarité, ça, ça me relance, euh, ça, ça relance sur la, la suite. Euh, depuis que tu es arrivée, euh, euh, que tu as pris tes fonctions, on t'a vu beaucoup présente sur de nombreux piquets euh, de grève, à Verbaudet, euh, plus récemment même euh, aux côtés des salariés d'Airbus, il me semble, ou peut-être même il y en a eu depuis. Euh, je me demandais pourquoi c'est important d'aller sur le terrain. Est-ce que ça peut apporter justement une force supplémentaire que euh, la CGT et des représentants importants viennent apporter leur soutien euh, peut-être des moyens de pression enfin, Qu'est-ce que ça peut apporter d'être présent euh, sur les piquets bah C'est très important. Je pense que si vous demandez à Manon de Verbaudet, elle va vous dire en quoi ça a changé la donne. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'elles, elles ont fait une grève exemplaire, un rapport de force incroyable, mais à un moment... Moi, je, je, elles m'ont sollicité et je suis venue les voir parce qu'elles arrivaient à un plafond de verre. Enfin, elles ouais. étaient, euh, tout le monde était en grève euh, depuis ça plus d'un mois. Ouais. C'était bloqué, le patron ne voulait pas bouger et donc euh, il était prêt à, prêt à les laisser crever. Et là, il y avait besoin que toute la CGT rentre dans la danse, euh, ce qui a permis plusieurs choses. D'abord, euh, on était prêt à passer à l'étape supérieure et donc euh, à organiser des actions dans toute la France, mmh, mmh. dans tous les magasins Verbaudet, auprès de tous les salariés Verbaudet. donc et ça, euh, a d'amplifier aussi euh, ah bah justement oui. la lutte euh, plus exactement que... okay. euh, ensuite ça a permis d'aller chercher le patron directement et donc il, il, la négociation elle, elle a eu lieu avec la Confédération et avec le patron et puis ça a permis de médiatiser le conflit euh, et ça de ça jouer aussi, aussi l'image dans l'opinion sachant opinion que publique, euh, si elle est du côté euh, des, des ouvriers des, des salariés en grève j'imagine aussi c'est un rapport de force supplémentaire bah, c'est un rapport de force aussi économique parce que verbaudet a besoin de vendre euh, ses vêtements euh, aux clients et surtout aux clientes mm -hmm. et là c'était des femmes en grève qui témoignaient de leurs conditions de travail, enfin, l'image n'était vraiment pas bonne. Et en fait, un des basculements, c'est quand on a été faire un rassemblement au pied du fond. Qui mmh. euh, a racheté Verbaudet. Mmh. Euh, à le... Paris, du coup. Exactement. Oui, et ils agissent dans l'ombre et ils sont très contents d'être dans l'ombre. Et quand on les met en lumière en montrant, voilà, c'est ce fonds financier qui financiarise l'entreprise et qui refuse d'accepter des augmentations de salaire, là, ça, là, ça joue beaucoup. voilà Mais d'ailleurs, souvent à la télé ou dans les médias, on va voir le moment où il va y avoir les prises de parole, on va dire un peu les moments concrets de, on va dire, de sortie de lutte, etc. Mais j'imagine qu'il doit y avoir un travail de préparation, même avec. Bah, les, voilà, avec les salariés en grève etc j'imagine que tu n'arrives pas comme ça sur le piquet et puis voilà il doit y avoir un travail qu'on voit pas forcément oui. euh, comment ça se passe un peu d'ailleurs euh... bah en fait on fait un gros boulot derrière on a une coordination des luttes qu'on a mis en place après le Congrès confédéral euh, et qui fait un, un gros boulot avec euh, les, les syndicats qui sont en lutte, avec euh, les syndicats qui sont mobilisés euh, pour préparer les choses. Et mmh. donc, euh, ce qui permet que ce soit pas juste euh, la Confédération ou moi qui viens un jour faire un truc devant les médias, mmh. mais euh, déjà, ça permet qu'on maîtrise l'ensemble des, des enjeux et puis qu'on ait identifié les leviers sur lesquels agir pour que la lutte elle puisse aboutir. Mmh. Et vrai. en fait, un des gros boulots qu'on fait qui est très peu méconnu c'est le travail sur les contre-projets. C'était n'était mmh. pas le cas sur Verbodet parce que c'était une lutte sur les augmentations de salaire, mais sur les mobilisations, sur les questions d'emploi et les questions d'emploi industriel, pour gagner, on est souvent obligé d'avoir un contre-projet. Mmh. Et en fait, c'est la CGT qui se retrouve à faire le travail que ne fait pas le ministère de l'Industrie, euh, en appelant des repreneurs pour pouvoir en trouver, en faisant un business plan, euh, en sollicitant les banques pour trouver du financement, etc. Et ça, c'est un énorme boulot qu'on ah fait oui, dans beaucoup d'entreprises. Il endroit. faut d'abord avoir aussi les contacts en amont pour savoir vers qui s'orienter, etc. Euh, et ça, c'est la CGT aussi qui du coup est euh, gar garante un peu de ça. Oui, on aide nos syndicats à faire ça. Oui. D'accord. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, euh, j'imagine aussi que ça, euh, que vous avez aussi, enfin, vous êtes aussi garant des discussions qui peuvent être menées avec les patrons, enfin, le patronat. Imagine dans ce cadre de, de négociation, comment ça se passe Comment les négociations elles se mènent euh, euh, Est-ce qu'il euh, est est qu faut aller chercher, j'imagine, le, le patron pour qu'il... Ah bah, en général... Ou d'ailleurs, euh, pas mmh. que à j'imagine que ça a dû être euh, un travail un peu aussi de longue haleine euh. En général, contrairement à la caricature entretenue, ce n'est pas la CGT qui ne veut pas négocier, c'est les patrons. Euh, et donc, euh, à Verbaudet euh, notamment, il a fallu appeler X fois le, le patron à négocier, il ne voulait pas négocier. Mm -hmm. euh, et ensuite, oui, le, la négociation, souvent, on est obligé de la dépayser, euh, parce qu'avec euh, la direction locale, ça ne va pas, mm -hmm. et euh, on sollicite directement la direction générale, et la Confédération euh, se met de la partie pour pouvoir euh, aider à ce que la négociation, elle aboutisse. Mm -hmm. Et tu, tu disais tout à l'heure que, en fait, généralement, vous, tu, tu te rends, en tout cas, la CGT va se rendre sur les piquets quand euh, la. À dire le combat est un peu bah, le, voilà un peu bloqué etc. Est-ce que vous choisissez aussi ce qu'il y a une stratégie de bah, plutôt aller là à ce moment-là etc. Euh... Oui tout à fait. Ouais. Euh, en fait des sollicitations il y en a plein et euh, si on disait oui à tout je pourrais être bah, tous oui. les jours sur des papiers. Voilà donc euh, on est obligé de prioriser et donc la stratégie en fait c'est de choisir des luttes où la présence de la confédération va faire la différence. Euh, donc des luttes où les camarades ont poussé le rapport de force jusqu'au bout c'est bloqué et là il faut l'intervention de la Confédération pour euh, espérer faire basculer. Euh, donc, par exemple, c'est le cas sur euh, les salariés d'Emmaüs qui euh, sont toujours mobilisés pour être régularisés. C'est le cas sur Valdune, oui. euh, donc euh, la seule entreprise française qui produit des roues et des essieux de train et qui là est menacée de fermeture du fait de la financiarisation de l'industrie. Ça, ça fait, fait combien de temps qu'ils sont en grève Ça fait un moment maintenant. Ouais, euh, en... en fait, ils, ils ont été en grève, ils ont arrêté, oui. mais ils sont prêts à repartir oui. quand c'est nécessaire. Et de toute manière, la, la lutte continue. Euh, donc, ça fait au moins six mois que là on est dans cette phase de lutte, mais ça fait plusieurs années qu'ils étaient mobilisés parce qu'en fait ils ont été rachetés par un actionnaire chinois il y a 10 ans qui a fait exactement ce qu'on avait prédit malheureusement, c'est-à-dire qui a pris euh, tous les savoirs, tous les savoir-faire, parce qu'auparavant euh, les Chinois savaient seulement fabriquer des, euh, des roues pour les trains de fret, mmh. mais ne savaient pas du tout fabriquer euh, des roues pour les trains à grande vitesse, des roues pour les tramways, euh, etc., pour les métros, mmh. euh, sachant que Val en fait c'est un fleuron industriel, une pépite qui sait travailler sur mmh. mesure et faire toute une série de, de roues avec évidemment des exigences de sécurité très fortes quand on fait des roues pour des donc trains à Donc il y a eu de un, de un rachat stratégique de leur part euh, Exactement. Euh, voilà. Et une fois qu'ils ont tiré tout ce qui les intéressait, ils n'ont pas investi dans l'usine et ils sont partis. Et donc là maintenant, notre enjeu c'est de trouver un repreneur et c'est la CGT qui remue des montagnes depuis euh, six mois. On a réussi déjà à beaucoup changer la donne puisqu'il y a six mois le gouvernement nous disait euh, Val d'Une est surcapacitaire, ça veut dire qu'ils produisent déjà trop, donc euh, c'est pas la peine de maintenir. Euh, et là maintenant, on a réussi à ce que le président de la République lui-même disent il faut sauver et maintenir Valdune. On a imposé qu'il y ait une table ronde ce que tu, tu demandais comment on fait concrètement. Ouais. Euh, nous quand on a regardé la situation euh, industrielle de Val-d'Une, on s'est dit la France a tous les leviers pour agir. D'abord, euh, c'est nous qui maîtrisons la commande beaucoup parce que c'est la SNCF et la RATP qui sont euh, des, des, des gros clients. Donc, il faut les mobiliser eux. Euh, et puis ensuite, on a euh, un géant du ferroviaire qui s'appelle Alstom et qui pourrait tout à fait racheter, racheter Val-d'Une. Oui. Comme ça, ça ferait une, une production intégrée. Il n'aurait plus à sous-traiter ses roues et ses essieux. Donc, nous, on s'est dit il faut mettre tous ces acteurs autour de, de la table. On a agi via nos syndicats CGT dans ces entreprises c'est mmh. notamment par exemple les cheminots oui. qui ont beaucoup agi sur la SNCF pour que le carnet de commandes soit revu à la hausse, pour que la SNCF s'engage à rentrer au capital de Valdune, mmh. donc ce qui est un, un très bel engagement. Ça a été pareil sur la RATP et là c'est ce qu'on est en train de faire sur Alstom. Faut les convaincre en fait qu'il euh, y a un intérêt. Enfin, convaincre. Les euh... convaincre, et puis il y a aussi un peu de non. rapport de force. Bien sûr, hein non, voilà. mais bien sûr. <laughs> euh, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Euh, notamment, le problème en fait, c'est que notamment Alstom est soumise à des enjeux financiers de très court terme. Alstom, pour ceux qui suivent l'actualité économique, euh, est dans une situation euh, immédiate difficile, ce qui a eu euh, des, des, des pertes importantes. Ouais. Mais en fait, à moyen long terme, Alstom va très bien parce que son carnet de commandes est plein. plein. Donc, le problème, c'est que ça, cette situation, Situation, ça peut faire peur aux investisseurs qui sont seulement sur les enjeux de court terme, et donc mmh. ça peut influer sur le cours en bourse d'Alstom, alors que l'entreprise elle va super bien. Et donc c'est ça le problème, c'est que comme c'est le court terme qui domine, ça empêche de faire des choix de moyen long terme qui seraient très bons, et notamment de racheter Valdune. Mmh. Donc tout ça pour dire que sur la situation de Valdune, en fait, euh, on a forcé les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités et à organiser une table ronde avec le PDG d'Alstom, le PDG de la SNCF et la CGT. Donc moi j'y étais présente qui a permis à l'issue de cette table ronde que le PDG de la SNCF et le PDG d'Alstom disent on est prêt à rentrer au capital étape importante mais maintenant il faut un actionnaire majoritaire bah ouais. on est toujours sur cette situation là et donc ça à chercher un actionnaire et donc euh... aussi enfin euh, j'imagine puis vous êtes quand même un peu pressé par le temps exactement il voilà. euh, y, y a un jeu de montre là il faut pas attendre trop longtemps parce que sinon le carnet de commande de Valdune qui est déjà assez plein va ouais. se dégarnir parce que les industriels vont se dire mais est-ce que Valdune va pouvoir ouais, fournir ça. si elle a pas de de, de Donc ils vont euh, perdre des clients. Et exactement. Et, euh, et après, ouais. c'est le cercle vicieux. Donc, il faut très vite retrouver un, un repreneur pour Valdune La lutte continue de ce point de vue-là. Et pour rester dans le vif de l'actualité, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est que prochainement vont avoir lieu les élections au CSE. Euh, actuellement, actuellement même. pardon mmh. oui même donc je préparais cet mmh. entretien c'était prochainement euh, c'est des élections qui sont importantes notamment pour la, la CGT est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est alors le CSE c'est le Comité social économique c'est ça ouais. si je me trompe pas euh, pourquoi c'est euh, ce sont des élections qui sont importantes dans le milieu syndical quels sont les enjeux euh, de, des élections là en ce moment alors c'est des élections très importantes bon le CSE au quotidien c'est euh, le CSE qui a la capacité les élus au CSE qui peuvent vous défendre individuellement face à ça. votre employeur qui peuvent agir sur sur les questions de santé et de sécurité, et qui ont aussi des prérogatives sur les stratégies économiques des euh, entreprises, beaucoup trop peu de prérogatives de notre point de vue, mais qui sont quand même consultées sur la situation économique de l'entreprise. Donc c'est ça qui permet euh, d'anticiper quand il va voilà. y avoir des problèmes, euh, et de pouvoir tirer les sonnettes d'alarme quand il y a des annonces de PSE Attends. ou autre. <laughs> ça, voilà, ouais. donc ça c'est le premier aspect. Mm -hmm. Mais en plus, en fait, ces élections elles jouent sur la représentativité des organisations syndicales. Et ça, l'enjeu, c'est euh, les pouvoirs de négociation. Mmh. En fonction du vote, euh, on a le pouvoir de négocier ou pas au nom des salariés dans l'entreprise, dans la branche. Donc la branche professionnelle, c'est là où il y a votre convention collective, euh, donc qui définit tout un certain nombre de droits. La convention collective, elle est écrite en général en bas du bulletin de salaire. Ça. Et donc il y a des conventions collectives qui sont plus ou moins ouais. bien. Euh, notamment faire euh, attention ai... d'ailleurs. Hein. Voilà, <laughs> j'imagine qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont dans la convention Syntex, C'est la première convention du privé. C'est la convention la plus catastrophique euh, avec des droits vraiment au, au rabais. Mmh, mmh. Euh, et donc donc il faudrait que la CGT soit beaucoup plus forte dans la convention collective synthèque pour augmenter les, les droits, par exemple. Et puis, euh, votre vote aux élections CSE, ça détermine aussi la représentativité au niveau national interprofessionnel des organisations syndicales, sachant qu'on a aussi des négociations à ce niveau, par exemple les retraites complémentaires ou euh, le chômage. Mm -hmm. Et pour finir sur ce point... En fait, euh, les négociations et les accords, c'est réglementé. Maintenant, il y a des règles de signature. Mmh. Euh, pour qu'un accord soit valide, il faut qu'il soit signé par au moins 30% des organisations syndicales. Enfin, les, les organisations syndicales qui rassemblent 30% des, des suffrages. Et les organisations syndicales qui rassemblent 50% des suffrages peuvent s'opposer à un accord et empêcher qu'il rentre en application. Mmh. Et donc ça, c'est important aussi. Ça veut dire que si on est suffisamment fort on peut dénoncer des accords et empêcher qu'il y ait des reculs qui s'appliquent aux salariés. Donc c'est pour ça que votre vote, il est très important là, dans les négliger. élections professionnelles. <laughs> Et puis, ces élections, dernier point, oui. euh, c'est aussi l'occasion le, d'implanter les syndicats et la CGT dans des nouvelles entreprises. Parce qu'en fait, il y a 40% des entreprises du privé, pa pardon, 40% des salariés du privé qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise et donc qui euh, n'ont pas le droit de négocier sur leur salaire, par exemple. Mm -hmm. Donc là, n'hésitez pas, vous, à solliciter la CGT si vous n'avez pas de syndicat dans votre entreprise pour dire, bah, tiens, j'aimerais bien en installer un parce et là, souvent, on va on a... déclencher des élections pour euh, que vous soyez représentatif. Voilà, – Parce qu'on a que... souvent l'idée de se dire, bah, si ça n'existe pas… Euh, voilà, voilà, je ne peux rien faire, etc. Alors qu'en fait, si, en tant que salarié, on peut. Chacune tout à fait, et euh... chacun peut créer ouais. la CGT dans son entreprise. Et donc, il faut nous solliciter pour ça. Sur le site cgt.fr, il y a toutes les coordonnées de la CGT euh, en territoire. Donc, il faut contacter les unions locales et les unions départementales pour pouvoir solliciter la CGT. Ouais. C'est important. Mmh. Et puis, bien lire le hein. les, les conventions aussi. <laughs> Euh, d'ailleurs, vous avez, euh, c'est peut-être une question qui sort un petit peu du, du cadre, mais euh, d'ailleurs, sur ces conventions euh, dont tu parlais, il euh, y a aussi la possibilité d'avoir euh, la main dessus, de, de pouvoir les faire évoluer, comme tu disais par exemple par rapport à Syntec, etc. Euh, euh, de pouvoir dénoncer aussi certaines choses euh, dans ces conventions, etc. Oui, les conventions collectives au niveau des branches, elles sont négociées avec les syndicats. Donc mmh. euh, tout Donc, dépend peut faire évoluer du, aussi. du poids de la CGT dans, dans chaque branche. Plus. Il y a des endroits où on a plus de possibilités de, de peser ou pas. Et en général, euh, c'est assez simple plus la CGT pèse, plus les droits des salariés sont élevés. Hein. Donc mmh. Voilà, c'est important. Euh, je voulais aussi euh, revenir sur un, un autre sujet euh, qui est euh, un peu euh, différent mais qui reste aussi dans l'actualité parce que euh, ben, ce week-end, il y a eu euh, une journée de mobilisation importante euh, de lutte contre euh, les VSS, les violences sexistes et sexuelles. Euh, donc il y a eu plusieurs manifestations euh, euh, dans plusieurs grandes villes de France et notamment à Paris où la CGT était présente. Vous avez fait un, un communiqué où vous parlez même de violences machistes. Mm -hmm. euh, je l'ai euh, relevé, j'ai trouvé ça... Euh, intéressant. Euh, la CGT, en tout cas euh, depuis euh, et même avant, en tout cas, euh, euh, a fait un gros travail aussi pour euh, ben, dénoncer les inégalités euh, de genre, qu'elles soient salariales, les discriminations, etc., au sein des entreprises. Euh, J'imagine que pour des manifestations comme comme celle-ci, il y a euh, toute une organisation qui est faite. Vous, vous êtes en relation, vous êtes de la CGT, en relation avec des associations euh, féministes, etc. Euh, vous menez des combats. Comment ça s'organise Même, je parle de ces asso associations-là, pardon, mais j'imagine qu'il y en a d'autres aussi. Vous êtes euh, très liés, vous communiquez <coughs> beaucoup, j'imagine. Oui, tout à fait. La CGT a des relations permanentes avec euh, le mouvement féministe dans son ensemble et euh, les associations en particulier. Euh, la CGT est membre du CNDF, le Collectif National pour les droits des femmes, qui a été créé en 1995. Enfin, on y est. Pardon, on y rentrait nous après 1995. En 1995, euh, c'était justement euh, au lendemain du 25 novembre. Il y avait une très forte mobilisation euh, cette mmh. année-là, euh, et on a, on a des relations permanentes avec les, les organisations féministes, notamment autour du 25 novembre et du 8 mars avec euh, le 8 mars l'objectif d'organiser une grande grève féministe hein, pour euh, l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc mmh. euh, là, c'est vraiment ce qu'on va essayer faire. C'est-à-dire que les femmes, ou en tout cas les, les minorités concernées, euh, arrêtent de travailler. Ça bah, le but, oui, c'est de faire euh, le 8 mars une, une grève pour l'égalité salariale. Alors bien sûr, il faut d'abord que les femmes se mobilisent. Bien sûr. Mais, euh, Comment bon, d'ailleurs le... vous comptez faire pour que euh, le message se diffuse Est-ce qu'il y a déjà une ligne qui a été donnée euh, Comment faire aussi peut-être pour que les gens soient tenus au courant, même peut-être ceux qui ne sont pas forcément adhérents à la CGT, mais qu'il y ait cette mise en grève Général, un peu comme on avait eu pendant la réforme des retraites, comment convaincre euh... ouais. bah, On a encore trois mois, oui. un peu plus de trois mois, quatre mois pour, pour construire ça. Donc, euh, on, on va y travailler avec les autres organisations syndicales et avec euh, le, les associations féministes. Mm -hmm. euh, et donc, le but, c'est de permettre, bon, d'abord, que les femmes se mettent en grève massivement pour l'égalité salariale et puis, évidemment, que les euh, hommes s'impliquent également parce qu'il y a hommes, euh, beaucoup d'hommes qui sont favorables à l'égalité salariale. Euh, et je pense, d'ailleurs... Euh, très large <laughs> majorité d'hommes qui sont favorables à l'égalité salariale. Oui, parce que finalement euh, cette grève là, euh, elle pourrait aussi se dire bah euh, en fait même les hommes pourraient se mettre en grève pour dénoncer ça finalement que ce serait une grève générale euh, oui. peut-être euh, plus Bien que, sûr. Euh... Bien sûr, c'est pour ça qu'on dit nous plutôt grève féministe plutôt que grève de femmes. C'est ça. Euh, pour dire bon évidemment c'est les premières concernées qui doivent se mobiliser euh, mais euh, les hommes sont les bienvenus et sont même nécessaires ça. dans la mobilisation oui. parce que aujourd'hui en fait les inégalités salariales ça sert au patronat, oui. ça mm. permet aux employeurs d'avoir une part de la population qui est payée moins cher et ainsi d'organiser une forme de dumping social et de tirer les salaires vers le bas. Donc on peut dire aussi que les hommes sont pénalisés par ces inégalités salariales parce que ça tire les tout salaires vers, de tout le bah, monde même vers le pendant bas. Pendant la réforme des retraites aussi, les femmes étaient doublement concernées avec les carrières hachées, etc. Et en fait, ça pèse sur tout le monde parce ouais. qu'au final, euh, et ben bah, en fait ça tire euh, vers ça. le bas donc. Euh... Et des femmes mieux payées, c'est évidemment des femmes qui cotisent plus pour l'assurance chômage ou les retraites et donc euh, c'est pour ça que le, la, la CGT martèle. Si on avait l'égalité salariale, les 12 milliards là que le gouvernement prétendait récupérer avec sa réforme des retraites, avec l'égalité salariale, on avait déjà bien plus donc. Euh... Et euh, et je, je voulais aussi euh, profiter euh, du coup de cette parenthèse. Euh féministe euh, pour parler mais euh... ça n'est jamais une parenthèse oui, le féminisme hein. c'est vrai <laughs> ça parenthèse doit structurer dans... tous nos échanges c'est réel non mais c'est vrai parce que cette question en fait elle est présente absolument dans toutes les luttes il euh, y a pas longtemps tu as été donc à... tu as participé à l'écriture de ce bouquin donc que je vous montre à la caméra qui s'appelle féministe la CGT d'ailleurs euh, qui retrace un petit peu euh, euh, toute la lutte on va dire euh, euh, toutes les, les combats on va dire féministes mmh. qui ont été menés à la CGT et même dans le milieu euh, militant et syndical et même dans les entreprises, euh, à titre personnel, tu t'es aussi engagée, euh, enfin illustré pour cet engagement euh, centré sur des questions féministes, puisque tu as piloté pendant dix ans mm. le collectif euh, Femmes Mixité. Euh, Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu as pu faire, pourquoi tu t'es engagée là-dedans, comment tu t'es retrouvée un petit peu à piloter ce collectif, parce que bah, moi, ce sont des questions qui m'intéressent particulièrement, et je pense que ça va intéresser les gens qui nous écoutent, euh... Bah en fait c'est la première responsabilité que j'ai eue en arrivant à la direction de la, la CGT euh, donc c'était en 2013-2014 euh, et euh, en fait moi je suis d'une génération qui se définissait pas comme forcément féministe en fait contrairement à la génération qu à se vous. vraiment non moi je suis la génération où j'ai commencé à militer euh, fin des années 90 euh, On viendra début des années 2000 <laughs> et euh, à l'époque il euh, y avait quand même une idée dominante que le féminisme c'était bien mais c'était le combat de nos mères moi je suis un peu du creux de la vague, euh, avec euh, l'idée. Euh, moi, à l'époque, on me m'd, demandait. Bon, j'étais toute jeune, hein, j'avais 17 <laughs> ans, donc mon avis, n'était pas très étayé. Mais sur euh, la loi pour la parité en politique, Je ne sais même pas si j'étais pour, hein, euh, parce que je me disais, on n'a tu... pas besoin d'avoir des quotas pour qu'il y ait des femmes mais toi, à l'assemblée. Tu, tu pensais plus de ce cette idée de se dire, bah, si c'est pour mettre des femmes, pour mettre des femmes, c'est pas très intéressant. Exactement. Ouais, et donc, j'étais vraiment dans le, dans le creux de la vague sur euh, c'est à qui c'est un combat du passé. Et euh, maintenant, arrêtons de pleurer sur euh, le fait qu'il n'y a pas l'égalité. Agissons, avançons, quoi. Alors qu'en fait... C'est <laughs> ça. Alors qu'en fait, euh, c'est pas du tout le cas. Et donc, euh, ma conscientisation féministe, elle s'est faite euh, progressivement. Il y a eu des euh... choses qui se sont passées, peut-être que... Dans ton expérience, qui ont déclenché ça ou des choses que tu as pu voir, que tu as pu vivre Il bah, ou... y a eu plein de choses, des amis, des prises de conscience aussi personnelles Personnel, sur ouais. euh, les modes d'éducation, de, de, de socialisation et tout ça. Et puis ce que je veux dire, en fait, c'est que quand je suis arrivée à la CGT en 2014 et qu'on m'a confié cette responsabilité, euh, en fait, j'ai trouvé une, une activité féministe de la CGT qui était déjà extrêmement structurée euh, et dynamique et depuis de longues années. Et en fait, c'est. Déjà me, me conscientiser pleinement, à arriver au bout d'un cycle que j'avais commencé, mais où j'étais pas allé jusqu'au bout, et à conscientiser, définir mon féminisme syndical, c'est-à-dire un féminisme qui articule la lutte contre les rapports de domination entre les femmes et les hommes, euh, et donc contre le patriarcat. Faut dire, ça a nom, hein, il faut dire, c'est un hein, nom, il faut le prononcer. Ouais. Et puis de l'autre côté, la lutte contre les rapports d'exploitation liés au capitalisme euh, entre euh, ceux qui possèdent les moyens de production, les patrons, et les travailleuses et les travailleurs. Et, et c'est très important, en fait, euh, de ne pas occulter l'un pour l'autre, de surtout pas se dire, parce que ça, on l'entend encore un tout petit peu, hein, donc je le dis, qu'il suffit de lutter contre l'exploitation capitaliste et la question de l'égalité femmes-hommes se réglera toute seule. Non, ça, ça serait totalement super, faux. Voilà, hein. c'est ça. Euh, le patriarcat préexistait au capitalisme, euh, donc il peut lui survivre. Okay. Donc, donc cette approche est totalement fausse. En fait, c'est deux combats distincts, finalement. Ces deux combats complémentaires. Sont, oui, voilà. Qui sont liés, mais qui ne sont pas les mêmes. Quoi. Là, Et de l'autre côté, c'est important aussi. Euh, de pas seulement se limiter à lutter contre les rapports de domination liés au patriarcat, mais à aussi euh, à avoir un féminisme de classe, euh, c'est-à-dire agir aussi contre les rapports d'exploitation mmh. capitaliste. Parce que sinon, si on n'appréhende pas euh, les enjeux liés euh, aux rapports d'exploitation, euh, du coup, on peut se retrouver à dire bah oui, moi je suis féministe comme Christine Lagarde, comme Laurence Parisot, comme voilà. C'est suffit pas ou... de se dire féministe pour l'être. Oui ou, ou sinon il y, dire, des... il y a différentes conceptions ouais, du féminisme ça, ça c'est je ne je, je, je sais pas comment dire je pense pas avoir moi la légitimité pour dire qui a le droit de se dire féministe ou qui n'a pas le droit de l'être ça c'est ça serait un peu exagéré mais par contre je pense qu'on n'a pas la même conception du féminisme et que euh, pour nous le féminisme c'est pas juste de d'amener des femmes au plus haut niveau de pouvoir euh, parce non. que avoir une femme patronne du FMI ou une femme patronne des patrons c'est pas ça qui a changé la situation de toutes les femmes fait. salariées euh, quand Laurence Parisot était patron des patrons, euh, c'était à peu près le même niveau d'exploitation au travail pour les femmes avec le même niveau d'inégalité salariale. C'est un travail de fond euh, qui passe aussi par, euh, bah, voilà, euh, tous les salariés en fait finalement. C'est pas, euh, c'est pas juste une question de qui représente qui au final parce que ça c'est un peu euh... Euh, ce que j'ai tendance à penser, de euh, un peu cacher, euh, voilà, mettre un pansement. L'arbre euh, qui cache voilà, la forêt. Ça, tout, à fait, tout à fait. Exactement. Et donc, euh, c'est important. En fait, il y a une forme dans le féminisme, c'est un peu comme sur le reste. Euh, Emmanuel Macron est un des, des, des théoriciens de la théorie du ruissellement, en fait, mm -hmm. en disant voilà, le, je théorise le fait de ne pas prendre les richesses aux plus riches parce que ça, ça profite à tout le monde. Bon, on voit bien que c'est tout l'inverse, en fait. C'est le fait que les plus riches soient toujours plus riches qui appauvrit euh, toute la population. Mais c'est pareil en matière de féminisme. Il y a une forme de théorie du ruissellement sur il faut qu'il y ait des femmes parmi les ultra riches mmh. et comme ça la situation sera réglée non pas du tout c'est pas ça qui va régler la situation de la majorité des femmes qui sont scotchées au plancher collant et qui ont euh, des problèmes de violence sexistes et sexuelles d'inégalité salariale et qui n'ont pas de garantie de leur indépendance économique parce que le dernier point important que je veux dire mmh. c'est que pourquoi c'est important pour la cgt de se mobiliser sur ces questions parce qu'en fait pour gagner l'émancipation des femmes il faut gagner leur indépendance économique. Il faut qu'elles aient les moyens. Euh, de quitter leur conjoint violent si elles souhaitent, de dire non à leur père, euh, non, mon père, je ne ferai pas ça, je n'épouserai pas un tel et euh, je ne choisirai pas la vie que tu as décidée pour moi, non, mon frère aussi, ça bon, peut en être fait, ça. la liberté de choisir ce qu'elles veulent faire et qu'elles veulent être, finalement. C'est ça. Et cette liberté, tu l'as si tu as une indépendance économique, c'est-à-dire si tu as un salaire qui te permet de vivre. Et c'est pour ça que le combat au travail, il est fondamental pour l'émancipation des femmes. Tant que les femmes ne peuvent pas avoir accès à l'égalité salariale et à l'égalité au travail... Euh, derrière de il y a plein de droits aussi, qui restent théoriques euh, dans les différents métiers qu'elles peuvent exercer euh, euh, que ce soit du métier le plus euh, j'imagine euh Classique ou euh, le, le plus lambda, à des métiers aussi qui peuvent être euh, aussi beaucoup euh, incriminés par le, le patriarcat. Euh, je pense aux travailleuses du sexe aussi, par exemple. Euh, voilà. Alors, ça, c'est un débat. À la CGT, on considère que la prostitution n'est pas un travail, que c'est une violence. Et donc, nous, on ne parle pas de travail du sexe, on parle de euh, prostitution et de système prostitutionnel. Et on pense qu'il faut abolir ce système prostitutionnel, parce que nos corps ne sont pas des marchandises. Et que euh, si on a envie d'avoir du sexe avec n'importe qui, euh, c'est la liberté de chacune de chacun, mais que euh, le fait d'être obligé de le vendre contre de l'argent, c'est une aliénation fondamentale. Et donc euh, nous nous défendons, nous nous battons pour défendre les personnes prostituées contre le système prostitutionnel, contre les mafias qui prospèrent et contre l'exploitation qui est toujours organisée par des hommes. Euh, très bien. Non, mais euh, et, euh, et sinon, par rapport à, à cet ouvrage, euh, on sent qu'il y a eu euh, beaucoup de combats et d'évolutions aussi dans le, la CGT, les considérations comment... Euh, ces questions-là, elles ont été amenées, euh, j'imagine, parce qu'il y a eu un travail. Euh... Pas bah, comme euh, tu pouvais le dire, euh, on les considérait pas forcément aussi importantes, etc. Quel est là, été le travail pour que euh, ces questions-là, elles ressortent, euh, elles, elles puissent être mises en valeur aussi au sein de la CGT Il y a eu un travail, j'imagine, par rapport à ça. Euh, oui, alors, euh, ce as livre, participé, j'imagine. on, on, on l'a écrit à trois avec euh, donc euh, Maryse Dumas, qui a été euh, dirigeante de la CGT pendant de, de très longues années euh, et qui euh, s'était aussi occupée des questions féministes et qui, euh, pour moi, était aussi une forme de passage de témoin. Quand j'ai pris la responsabilité, j'ai eu la chance qu'elle soit là pour euh, me mettre à niveau sur un certain nombre de questions, sur ces questions-là. Euh, et puis Rachel Silvera, donc, qui est euh, une universitaire de référence sur les questions d'égalité femmes-hommes, notamment en matière d'égalité salariale, mmh. et qui, dans le livre, fait tout un chapitre sur euh, l'enjeu de l'égalité des femmes au travail, quelle est la situation, etc. Et après, sur l'approche de la CGT, ce qui est important dans le, dans le livre, c'est qu'on a tenu à mettre en lumière toutes ces femmes euh, syndicalistes, notamment à la CGT, qui ont été invisibilisées par l'histoire. Parce qu'en fait, on souffre d'une double invisibilisation. D'abord, il y a une invisibilisation en général du mouvement ouvrier. Mmh. C'est euh, Howard Zinn, un historien américain, qui a une citation... Euh ne laissons pas les chasseurs écrire l'histoire des lapins. Mmh. Bon, bah, en matière d'histoire sociale, c'est toujours ça. C'est euh, les patrons, la classe dominante qui écrit notre histoire et qui va avoir tendance à invisibiliser des passages de l'histoire. Donc mmh. notamment la commune de Paris, on l'apprend jamais à l'école, euh, etc. Euh, et puis ensuite, bah, les femmes, on est doublement invisibilisés. Parce qu'en plus, au sein du mouvement ouvrier, il y a aussi euh, des rapports de domination de entre aussi. les femmes et les hommes. Oui. Et donc dans le, le livre, on a voulu rendre hommage à euh, des militantes euh, CGT euh, de très longue date qui ont été complètement invisibilisées dans l'histoire. Et ce qui est important à rappeler, c'est que la CGT, donc, elle a été créée en 1895, et au congrès de fondation de la CGT, c'était une femme qui était présidente de séance, qui s'appelait Marie Saderne, mmh. qui a été invisibilisée de l'histoire. Mmh. Et pourquoi elle était présidente de séance Parce qu'elle était à la tête de la plus grande grève à l'époque, une grève des corsetières. Et, euh, oui. et, voilà. et donc, tout ça pour dire que des femmes, il y en a toujours eu dans la CGT, qui se sont battues avec et dans la CGT. Avec les, la double dimension, parce que ça n'a jamais été un long fleuve tranquille non, non plus. J'imagine. <laughs> euh, bah, C'est hyper intéressant. Et, et donc, euh, on attend euh, maintenant euh, le 8 mars pour euh, peut-être euh, de nouvelles choses. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont prévues dans l'agenda. Euh, oui, développe... alors le 8 mars, il ne faut pas l'attendre, il faut le préparer. Il faut le préparer. Donc, tout voilà. à fait. <laughs> donc euh, on organise ensemble le 8 mars. Et donc, d'autres choses prévues dans l'agenda euh, bah, par exemple, là, euh, on a parlé un peu de, de, de bah, des combats qui ont été euh, on va dire, menés, enfin, auxquels tu, tu, euh, tu as participé depuis que tu, euh, tu es arrivé, euh, donc euh, tu as été euh, nommé. Euh, Qu'est-ce qui sont peut-être les prochains sujets sur lesquels la CGT va vouloir mettre l'accent dans les prochains euh, bah, trimestres, mois à venir. Parce que j'imagine que depuis la rentrée, vous travaillez aussi. Il euh, y a eu la réforme des retraites, mais après, il y a eu beaucoup d'autres choses. Ouais. Là, récemment, il y a eu la loi euh, Bien vieillir aussi, sur laquelle euh, vous avez aussi euh, mmh. pas mal mis. Euh, L'accent, euh, voilà, quelles sont un peu les, les choses sur lesquelles vous allez travailler sur ouais, Il y en, en, a en a beaucoup. Bon, D'abord, la bataille centrale, là, actuellement, c'est la question des salaires parce que euh, c'est scandaleux euh, de voir euh, les salaires qui baissent. Et euh, c'est à la fois un problème de justice sociale, mais aussi un problème économique parce que des salaires qui baissent, ça veut dire moins de consommation. Et en France, le moteur central de l'économie, c'est la consommation. Donc là, pour la première fois, le chômage remonte à cause de euh, cette politique de baisse salariale du patronat et du gouvernement. Et le problème, en fait, c'est que le gouvernement oriente toute sa politique pour soi-disant empêcher une boucle, mm -hmm. ce qu'ils appellent une boucle prix-salaire. Donc, euh, en fait, c'est l'idée selon laquelle d'augmenter les salaires, ça augmenterait les prix. Euh, sauf qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On, on a les prix a qui a augmentent, mais pas <laughs> les salaires. Et en fait, ça. pourquoi les prix augmentent Parce que les profits explosent. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les secteurs dans lesquels les prix augmentent le plus, euh, donc à savoir l'agroalimentaire, l'énergie, euh, c'est euh, les secteurs dans lesquels les profits sont les plus élevés. Et donc, mmh. ce sur quoi refuse d'agir le gouvernement, c'est la boucle prix-profit. Euh, J'augmente mes prix pour pouvoir augmenter mes profits. Et donc, ils refusent d'agir sur ce, ce levier-là. À ton avis <laughs> à ton avis, <laughs> parce qu'ils ne veulent pas déranger les puissants. Et oui. parce que, euh, en fait, euh, euh, les, les profits bénéficient aux actionnaires, aux patrons. Euh, mm -hmm. Et c'est là-dessus que le gouvernement refuse d'agir. Parce que, en fait, ils se définissent comme une politique pro-business. Euh, et c'est même plus particulièrement que ça, une politique pro 1%, mm -hmm. pro-multinationale, au service des plus puissants. Et donc. Euh... Donc la question des salaires, ouais. Ouais, c'est super important. Ouais. Et après. Euh, on est très inquiet par la situation dans le secteur de la santé et dans le secteur oui. social. Il y a eu plusieurs enquêtes, notamment alors, euh, sociales, même euh, petite enfance, euh, qui sont sorties sur euh, les conditions de traitement dans euh, mmh. les crèches, etc. Euh, euh, j'imagine que c'est des questions aussi, même euh, euh, les conditions de travail, euh, bah, alors, surtout en plus ce sont des métiers très féminisés, donc encore une fois, on revient aussi là-dessus. Euh, il y a une loi, donc la loi bienveillir, alors qui est pas tout à fait, mais qui concerne aussi le, le milieu de la, la santé. Euh, vous, vous comptez aussi, euh, j'imagine... Euh, travailler là-dessus pour euh, peut-être obtenir plus de, de reconnaissance de, de ces milieux là euh, ou à la fois les gens euh, ont peu de moyens, les salaires sont aussi très bas, les conditions de travail sont très oui, compliquées. Tout à fait. En fait, ce qui est important de rappeler, c'est que dans le secteur de la santé et du social, les salariés sont d'abord des femmes. C'est à 80% des métiers féminisés, mmh. et c'est pas pour rien qu'ils sont dévalorisés. C'est parce que euh, on considère que euh, comme ce sont des métiers exercés par des femmes, les qualifications qui sont requises seraient naturelles pour les femmes. Mmh. Prendre soin, assister, éduquer, être patiente, être polyvalente, être à On a l'impression que c'est simple en plus à faire. Voilà. Alors que... <laughs> s'occuper d'enfants ou de personnes âgées comme si quand on était une femme on savait naturellement faire ça donc non c'est oui. faux messieurs je vous rassure vous aussi vous pouvez apprendre tout à fait <laughs> voilà et donc ce sont des qualifications qu'on doit payer donc on se bat évidemment pour revaloriser ces métiers mais aussi le problème c'est que là on a donc l'austérité qui est organisée dans ces secteurs là avec des services publics et au delà des services qui ont de plus en plus de mal à fonctionner Absolument. et quand le service public recule en fait sur qui repose la prise en charge de nos proches ce sont d'abord les femmes et donc ce que nous disons, c'est que pour émanciper les femmes et faire l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qu'il faut, c'est socialiser les tâches domestiques. Par exemple, en matière de petite enfance, on, on le dit beaucoup trop peu. Euh, en fait, il y a plus de 40% des enfants de moins de 3 ans qui sont ni en crèche ni chez une assistante maternelle. Mmh. Et donc, qui sont euh, pris en charge à l'arrache euh, par euh, soit la maman qui est obligée d'arrêter de, tra de travailler, soit la grand-mère, soit la tante, soit les copines, en général des femmes de toute manière. De toute manière. <laughs> euh, et donc, c'est une entrave directe au fait que les femmes puissent avoir droit au travail et accès au travail. Mmh. Donc, ce que nous voulons, c'est renforcer, euh, avoir de vrais services publics, un vrai service public de prise en charge de... Euh, l'autonomie que ce soit en matière de petite enfance ou de personnes âgées dépendantes et le dernier point important là-dessus c'est que en fait euh, je pense que tout le monde a compris que euh, avec le vieillissement de la population il y avait les... des questions de plus en plus importantes qui voilà. concernent de plus en plus de monde j'imagine et donc euh, le capital a compris ça et à identifier le secteur comme un secteur de spéculation. Ils appellent même ça d'ailleurs la, la silver economy. Euh, un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, où ils ont fait. Euh, C'est euh, ça, voilà, avec la ça qui se aussi, euh, ces fonds ouais. d'investissement. Voilà, tout, tout à ça. fait. Bon, bah, la France essaye de faire pareil en fait euh, ça. à ce niveau-là. Ils ont repéré qu'il y allait avoir beaucoup d'argent public pour aider à la prise en charge de nos proches, mm -hmm. ce qui est normal. Nous, on est pour le fait qu'il y ait un investissement important. Et puis dès que ça touche à la santé, j'ai l'impression aussi que les gens sont prêts à. Voilà, oui être ah. beaucoup plus enclin à dépenser parce que la santé c'est trop bah, important. Ça se, en négocie, pas, ça en se négocie pas en fait. Ça se négocie pas C'est nos proches et euh, on ne joue pas avec ça. Et donc, sauf que le problème c'est que nous on considère que ça se négocie pas, mais euh, on ne spécule pas sur euh, la, la, la santé et le bien-être de nos proches. Et donc, euh, il faut exclure le privé lucratif de euh, la prise en charge de nos proches et dire que ce n'est pas possible qu'il y ait de l'argent public qui permette d'aller financer la distribution de dividendes pour mmh. euh, des crèches privées ou euh, des EHPAD privés. Mmh. C'est euh, le scandale d'Orpea. Mmh. Et nous, on a toujours dit que Orpea, c'était seulement la partie émergée, émergée de, Leisberg. de Leisberg. Oui, Il y a vrai. tout le reste et tout le reste continue aujourd'hui. Mmh. Euh, avant de, de revenir un peu aussi sur tes premiers combats, il euh, y avait un dernier sujet que je voulais aborder, qui est d'ailleurs revenu dans, dans le chat euh, euh, par rapport à, à, à la montée de l'extrême droite. Euh, on t'avait vu lors d'une euh, lors de la d'une des mobilisations. Euh, alors j'ai cet extrait là que je vais montrer euh, aux gens. En quoi cette euh, nouvelle journée de mobilisation euh, va changer la <laughs> donne Il y a beaucoup euh, buzzé. Euh, elle va changer. <laughs> <laughs> elle, elle va changer la donne parce qu'elle euh, montre que. Euh, non, mais moi, je ne souhaite pas répondre à ces news. Et pourquoi euh, Parce que, en fait, je ne vais pas sur, euh, sur vos plateaux. Mm. Oui, mais là, c'est pour s'exprimer devant tous les Français. Vous pouvez. Euh... Do, nous donner vos revendications. Voilà. Euh, oh. Et ben non. Voilà. Donc moi je... vous choisissez les médias. Cet extrait a beaucoup tourné euh, au moment où c'est passé. Il euh, y a beaucoup de gens d'ailleurs, euh, alors notamment CNews qui se sont plaints. Euh, euh... J'ai eu un courrier. Voilà. Mmh. Ah bah justement parce qu'on mmh. aimerait bien avoir un peu les, les coulisses. Euh... Euh, à ce moment là qu'est- ce qui s'est enfin, voilà est-ce que euh, c'était quelque chose qui avait été un petit peu euh, euh, prévu est-ce que voilà comment non. ça s'est passé euh... en fait c'était ma première manifestation comme secrétaire général ouais. donc on voit d'ailleurs sur la vidéo que ça faisait longtemps que j'avais pas dormi des peu... <laughs> cernes jusque là et, euh, et du coup c'était pas du tout euh, préparé et en fait on m'avait demandé avant euh, s'il il euh, y avait des, des personnes à qui je voulais pas, pas parler, parler ou des médias que je voulais Enfin, voilà, des personnes à qui je ne voulais pas parler. Et moi, j'avais dit non, pas de problème, bah juste euh, CNews, euh, non. Et, pour, Et... pourquoi d'ailleurs Parce que bon, c'est un peu une question, euh, je veux dire, rhétorique, mais euh, pourquoi CNews en particulier euh, mmh. euh, Pourquoi refuser, j'imagine, euh, du coup, comment... Euh, si c'est considéré comme un média d'extrême droite, peut-être, oui. un relais de l'extrême droite, est-ce qu'il y a d'autres, du coup, une échelle aussi de médias auxquels tu... Accorde ou plus ou moins. Euh... Ah, le problème, c'est que ça s'étend tellement que oui. ça commence à devenir compliqué. Mais euh, en tout cas, CNews et le JDD, c'est euh, le même procédé. Euh, auparavant CNews, c'était iTélé, ça a été racheté par quelqu'un qui s'appelle Bolloré, qui est euh, très très riche et un euh, certain Bolloré. Voilà, un <laughs> certain Bolloré et qui rachète euh, des médias pour sa stratégie d'influence au service de l'extrême droite, au service notamment de Marion Maréchal-Le Pen, mmh. etc. De cette vision-là euh, et de euh, Éric Zemmour. Et donc euh, c'est pour ça que en soutien aussi à la grande mobilisation des journalistes d'Itélé qui avaient euh, refusé de, euh, de sacrifier leur ligne éditoriale, la CGT a tout de suite dit qu'elle boycottait CNews et qu'elle boycotte le, le JDD. Et donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que à la manif, je ne m'attendais pas du tout à ce que CNews rentre. Euh, et en fait, ils sont rentrés parce qu'ils avaient mis une bonnette noire. en fait ils Donc, ils ne savaient pas, pas news, que c'était eux, en fait. Ils savaient très bien qu'ils étaient malades. Voilà, et bien donc, venu. ils m'ont pris par surprise. D'ailleurs, ça se voit dans oui. la séquence. En fait, je réfléchis, je suis obligée de réfléchir très vite sur qu'est-ce que, que je vais faire parce que tu à répondre Et en fait, tu ouais. fais Ah non, en fait. Je, ouais, tu sachant traviser. que je, je, je suis filmée, <laughs> en fait. Et donc, c'est très difficile d'avoir la, la réaction en direct et que je n'ai pas dormi depuis une semaine. <laughs> euh, oui, donc, aussi. voilà. Donc, c'était pas du tout prémédité et organisé. Au contraire, j'étais furieuse que ça soit produit. Oui, oui. Peut-être parce que, pas envie forcément, en plus, que l'extrait tourne après, soit soit reprise. Bah en que... fait, j'avais envie de parler des retraites. J'avais pas envie de parler de. Oui, parce que c'est un news. peu ce qu'on a. Et là, retenu. du coup, voilà, c'est ça. C'est o... un peu. Euh, ça a dire, occulté, occulté. Le, la... Au lieu de parler de la manif, c'est ça qui a fait parler. Donc. Et bon, j'imagine aussi, c'est un peu un intérêt. Euh, au lieu de parler de choses importantes, ils ont pu, dire, euh, faire dévier un peu le combat, le, le combat sur euh, la CGT refuse. Euh, voilà, censure des médias. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir oh. aussi dans un de leurs communiqués. Euh. Au final, moi, je le prends en positif parce que ça a permis de faire la clarté, en fait. Mmh. Mais euh, sur le coup, j'étais pas contente. Et euh, ils ont mmh. réessayé ensuite après, peut-être de revenir où ils ont compris que euh, c'était euh, tu... ils essayent toujours donc on est toujours vigilant. Mm -hmm. <laughs> ok, et ben bah, euh, en tout cas c'est clair et je sais que ça a aussi euh, beaucoup euh, plus j'ai envie de dire à une partie aussi euh, bah, euh, euh, des militants qui se sont dit que voilà on arrêtait de euh, faire le de dérouler le tapis rouge aussi à, à ces médias là euh, qui s'en donnent à, à cœur joie. Euh, il nous reste euh, il nous reste un, un quart d'heure mm -hmm. où euh, je voulais aussi aborder avec toi revenir un peu sur bah, un, tes premiers combats. Euh, parce qu'avant d'être à la CGT, tu as fait beaucoup de choses. Tu as une longue biographie que j'ai eu l'occasion de découvrir pour préparer cet entretien, euh, très inspirante aussi. Euh, tu as commencé à militer euh, dès le lycée, c'est mmh. assez jeune, euh, un de tes premiers combats donc je le disais au début de l'émission c'était euh, donc le contrat première embauche le CPE. Alors ça alors, malheureusement dit... c'était pas le premier combat. Hein, Il y en euh... avait eu alors ouais, je premier... militais je militais déjà depuis quasiment 10 ans. D'accord, OK. <laughs> ouais. C'est le premier on va dire dans lequel euh, voilà, on retient le plus euh, peut-être euh, ta présence en tout cas. Euh... En fait le CPE c'est un combat j'étais à la direction de l'UNEF pendant la modération. Tu étais déjà à la direction du Direction nationale de l'UNEF. Et la particularité de la mobilisation contre le CPE, c'est qu'elle a été déclenchée, organisée de A à Z euh, par l'UNEF. Pas seule, évidemment. Ça, ouais. Mais en fait, c'est nous qui avons euh, décidé de la stratégie. Et je m'en souviens de tous les choix qu'on a pu faire à tous les moments. Et donc, ce qui est génial, en fait, c'est que. Donc, je ne sais plus quelle âge j'avais. Euh, C'était en 2006, il me semble. Voilà, donc ouais. j'avais 24 ans. Euh, c'est que, à cet âge-là, être dans une situation où on peut diriger une mobilisation, parce que c'est quasiment de ça dont il s'agit pas seul mais collectivement. Et donc, on se retrouvait tous les vendredis, la réunion de, de direction. Et euh, donc, on, on était épuisés. Mmh. On, on, on disait toutes les difficultés qu'on avait rencontrées sur le terrain. On se reboostait ensemble. Et surtout, on prenait les décisions stratégiques ensemble. Et euh, chaque semaine, on prenait des décisions stratégiques très importantes. Et, euh, et donc, ça, c'est un enseignement pour la suite. Ça... Vous avez été moteur de la lutte, en fait, du coup, euh, vu que euh, vous l'avez organisé Oui, euh, c'est voilà. nous qui avons et, donné oui. le cap, en fait. Ah, c'est oui. nous qui l'avons lancé. Moi, je me souviens précisément de euh, le vendredi. Donc, ça devait être, je crois, le Vendredi 12 janvier, il euh, y a des fuites qui sortent dans le monde sur tiens, peut-être que De Villepin envisagerait. Mmh. Et donc, à ce moment-là, en fait, tout de suite, on se dit tiens, il y a un truc. Et en fait, on se le dit aussi parce qu'il y a un, une transmission de génération. Peut-être rappeler pour les gens qui, peut-être de mon âge, n'avaient pas encore l'âge de, de comprendre à l'époque, le CPE, c'était quoi Qu'est-ce qui, qu qui était problématique Le CPE, donc contrat première embauche, c'était un contrat spécial pour les jeunes de moins de 26 ans avec une période d'essai de deux ans. Pendant ça... deux ans, le patron pouvait vous licencier sans préavis. Et euh, l'argument, c'était il y a des problèmes de chômage des jeunes, donc il faut faciliter l'embauche le, des jeunes. Donc, c'était euh... juste une manière de précariser en fait des emplois. Euh, Exactement. Ouais. C'était une mesure discriminatoire pour les jeunes. Et euh, en plus, nous, ce qu'on a argumenté, c'est que quand on commence sur un contrat précaire, derrière, on a plus de chances de rester précaire. Donc, euh, ça jouait derrière pour tout le monde du travail. C'était pas seulement les jeunes qui étaient concernés, mais tous les autres. C'est comme ça qu'on a fait la jonction avec les organisations professionnelles. Et donc, euh, en fait, tout de suite, quand on a vu euh, cette, cette annonce qui a été confirmée le lundi, on s'est dit, là, faut qu'on soit au rendez-vous, c'est une question majeure. On avait déjà, notre calendrier syndical, il était plein, et il mmh. est toujours plein, c'est normal. Et donc, à l'époque, on était en train d'agir sur les postes au concours au CAPES, là, qui avaient baissé, et puis on avait des élections étudiantes qui se préparaient, enfin, on avait plein de trucs à faire. Et là, on se dit, on range tout, on, 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 on range tout notre agenda qui était déjà bien chargé. Et on met tout sur la mobilisation contre le CPE. Mmh. Et donc, euh, dès le, le, le jour de l'annonce, le lundi, on sort une pétition. Le mardi matin, moi, je me souviens très bien où j'étais pour faire signer cette pétition. Donc, on passe dans euh, les amphis pour expliquer la situation, faire signer la pétition, appeler aux premières âgées. Et au début, on était tout seul. Mais mmh. tout seul, tout seul, tout seul. Et donc, très vite, on a rencontré la CGT. Donc, il y a Et eu quand même une des, des concertations avec la CGT. Intense. Euh, ouais, Et oui. la mobilisation, elle a été... Euh, Réussi parce que porté par une intersyndicale, donc avec toutes les organisations syndicales professionnelles, mais à l'époque, c'était F et CGT qui se coordonnaient mmh. pour caler le rythme qui n'est pas le même, en fait. Le rythme mmh. et les modalités de mobilisation entre euh, les jeunes scolarisés et les oui. salariés sont Et pas parce du que j'imagine, toi, tu étais étudiante à ce moment-là, mmh. euh, peut-être je pense à ceux qui nous regardent, qui, qui sont inspirés, qui ont peut-être envie aussi de, de voilà, de, 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 de militer, d'organiser de, des luttes, etc. Comment on. On allie peut-être la vie étudiante, la vie militante, etc. J'imagine ça ne devait pas être de tourpeau Ah, ben bah non, on dormait pas déjà. Mais <laughs> on dormait pas beaucoup. Mais il devait y avoir des petites. Euh, voilà, des, 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 des. Comment dire euh, on, on y arrivait. Donc euh, on trouve aussi des moyens. Oui, de... en fait, ce qui, est, ce qui était génial dans le, le militantisme que j'ai eu, euh, notamment dans mes années étudiantes, c'est que on apprend à déplacer des montagnes avec des bouts de ficelle. Et donc euh, on a très peu de moyens. Oui. Euh, mais, Encore euh, aujourd'hui d'ailleurs. Hein. <laughs> oui, tout à fait, je confirme. Ça n'a pas trop évolué. C'est vraiment pour un, des, un des slogans. Qu'on avait, c'était le slogan des shadows des sur euh, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, euh, c et, et là, du coup, ça permet d'éviter de passer son temps à se lamenter sur son sort, sur on ne peut pas, on n'a pas de moyens, etc. Mais juste, la situation, c'est ça. Quelle idée, quelle solution on va trouver pour réussir à passer la difficulté mmh. Et euh, on est obligé de réussir à, à surpasser la difficulté, en fait. Et mmh. donc, moi, ça m'a appris une débrouillardise. En plus, à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, je veux ouais. dire, euh, voilà, comment on. On était obligé de communiquer, quand même, j'imagine. Euh... Alors, on avait des téléphones portables, quand on... même, je vous rassure. <laughs> mais euh, moi, je sais que, par exemple, euh, j'ai commencé aussi. Depuis euh, pas très longtemps, mais quand même. C'est vrai. Ouais. Euh, à, à militer au lycée, etc. Et il y avait beaucoup de choses aussi qui pouvaient être permises, des informations qui étaient communiquées, etc., euh, grâce aux réseaux sociaux. Donc, j'imagine aussi là. Euh... C'était peut-être aussi plus, comment dire, plus difficile aussi de coordonner peut-être les luttes à ce moment-là. Oui, bah du coup l'UNEF jouait un rôle très important parce de que c'est l'UNEF voilà, qui jouait. Donc on remontait à chaque fois, on était très organisé, et donc on remontait les informations sur toutes les, la situation dans toutes les universités. L'UNEF centralisait et renvoyait toute l'information, et comme ça on avait l'état des lieux en temps réel sur euh, AG à 2000 à tel endroit, AG à 500 à euh, tel autre, temps d'universités bloquées etc. Et puis on communiquait à la presse pour... Euh, bah, donner l'envie de se mobiliser mm. Mm, mm, mm. Et, euh, et un dernier point que, que je voulais aborder avant qu'on qu se quitte merci beaucoup d'ailleurs pour le temps euh, que tu as pris euh, pour cet entretien euh, donc j'imagine que je t'apprends rien euh, donc à l'été il y a eu euh, l'assassinat donc du jeune Naël mm. Euh, et ça faisait écho parce que euh, donc euh, en dehors de ton engagement militant, tu as aussi été euh, conseillère principale d'éducation oui. dans euh, plusieurs zones prioritaires à Marseille, il me semble, oui. et en région parisienne. Euh, J'imagine euh, c'est quelque chose d'ailleurs que tu évoques aussi beaucoup pour dire que ça fait évoluer aussi ta vision. Ça a motivé aussi pas mal de tes engagements, notamment contre les inégalités euh, de classe. Mm. Euh, J'imagine que c'est un événement qui a beaucoup résonné. à ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ben, ce que ça a pu jouer comme rôle euh, quand tu étais euh, ben, euh, voilà, CPE à l'époque Est-ce euh, que ça a eu des. aussi, euh, c'est une expérience qui a eu un impact aussi sur. Euh... À ton engagement par la suite, ouais, tout à fait. En fait, moi, c'est un métier que j'ai choisi vraiment par mon engagement parce que, dans en fait, les déterminants que j'ai eu quand euh, j'avais 15 ans et quand euh, j'ai décidé de m'engager, ça a vraiment été une décision que j'ai beaucoup réfléchi que mm -hmm. voilà, j'ai prise. Euh, en fait, euh, mes motivations, c'est que je me suis rendu compte des inégalités sociales et de la reproduction sociale. Et mm -hmm. je m'en suis rendu compte pas d'un point de vue théorique, ce que ça, je comprenais en pas pratique. trop, mais en pratique, ouais. en regardant mes copains autour de moi, et je voyais bien que tout le monde n'avait pas les mêmes chances de réussite à l'école en fonction de du métier des parents et du quartier où on habitait. Et euh, du coup, c'est pour ça que mon premier engagement au lycée, ça a été d'aller à la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, où euh, j'agissais avec euh, mes copains, mon entourage, euh, pour euh, travailler notamment sur, euh, très concrète, euh, sur les moins. inégalités sociales. Ouais, très concrète. Et puis, dans mon lycée, on avait mis en place des cours de soutien scolaire gratuits pour euh, les élèves qui n'avaient pas les moyens de faire du soutien. Euh, bref, on avait fait plein de choses de ce style-là. Et du coup, pour moi, devenir CPE... C'était euh, l'idée c'était de mettre les mains dans le cambouis pour de façon pratique comprendre pourquoi oui. il y avait ces inégalités, euh, que pouvait l'école, que ne pouvait pas l'école, et comment est-ce qu'on pouvait avoir une école qui soit plus égalitaire. Et, mmh. et parce que j'avais comme euh, dirigeante de l'UNEF, bah, j'avais eu plein de discours théoriques sur euh, la pédagogie. Il fallait les mettre en pratique plus... aussi à un moment. Ouais, puis <laughs> voir concrètement est-ce que ça marche oui. ou pas, quel est le problème. D'ailleurs, euh... les endroits où tu as euh, du coup euh, eu euh, cette responsabilité, c'était toi qui les avais choisis. Oui, justement. Ben, on, enfin... on choisit jamais euh, bon, on vraiment, dire, directement, oui. mais euh, dans mes fiches de vœux, j'avais toujours mis que je voulais être en, en lycée professionnel. Prix, ouais. Et en zone d'éducation prioritaire. prioritaire. Donc, j'ai commencé dans les quartiers nord à Marseille, et puis après, j'étais au Blanc-Ménil en, okay. en Seine-Saint-Denis. Donc, c'était un choix. Et, euh, et ça a été un apprentissage exceptionnel. Hein. Ça a vraiment été des années géniales où euh, j'ai découvert aussi. Moi, j'étais en lycée général. Je n'étais pas en lycée professionnel. Euh, je n'ai pas, pas habité dans des quartiers sensibles. Mmh. Euh, donc, c'est toute une réalité que je ne connaissais pas, que j'ai mmh. découverte dans son, son mode de fonctionnement. Donc, j'ai découvert une richesse euh, énorme. Mmh. J'ai découvert aussi concrètement, ça, c'est vraiment à Marseille, dans les quartiers nord, ce que le mot dénuement veut dire. Euh, J'avais 50 de mes élèves qui, dont les deux parents étaient au chômage. Mmh. Donc, ça, ça, ça pèse très très lourd et derrière je sortais mes grandes drames pour dire oui il faut travailler à l'école pour avoir un travail après bon bah malheureusement il savait que c'était un en peu pipeau tout ça quoi parce que malheureusement il n'y a pas de travail face monde. à la réalité des choses et il y a un chômage ouais. de masse à Marseille qui fait que voilà euh, donc oui ça m'a fait découvrir et puis ça m'a permis aussi de me décentrer euh, et euh, de découvrir des cultures très différentes et d'être dans des endroits où j'étais une des seules blanches euh, et, et donc de, de découvrir en fait peut-être que euh, c'était moi les milieux dans lesquels j'avais grandi auparavant qui n'étaient pas mélangés. Oui, c'est ça. Et, que, euh, et qui étaient ségrégés en fait. Oui, et que euh, la ségrégation, très souvent on dit euh, oui, c'est euh, les quartiers populaires qui sont pas mélangés, mais en fait les quartiers populaires sont beaucoup plus, plus mélangés, mélangés que les quartiers riches euh, avec euh, un mélange culturel. Dans les lycées dans lesquels j'ai travaillé, il y avait à chaque fois plus de 50 nationalités mm. ou origines différentes. Il mm. euh, y avait toutes les religions qui étaient représentées. Et ça, c'est aussi une, une découverte d'une richesse culturelle qu'a la France et qu'on dévalorise beaucoup trop, avec par exemple des élèves qui parlent plusieurs langues et on le valorise en fait, pas du le tout, on déconsidère complètement Mais oui. Euh, oui, alors que parce qu'on euh... les ramène plus à leur euh, classe sociale en fait qui a toute la richesse en fait qu'ils ont euh... Oui, puis même d'ailleurs leur langue, ils sont obligés de l'invisibiliser, ils, ils vont jamais l'écrire sur le CV parce que euh, ça euh, va, va être mal on... vu ou euh, en tout cas ça peut être aussi source de discrimination C'est ça, ça renvoie comme on pense on... aux photos et aux noms, bah en fait les langues aussi c'est pareil. C'est ça, alors que moi je parle une seule langue, <laughs> je suis nulle en langue et donc je, je suis très jalouse des gens qui parlent plusieurs langues et on sait pas le valoriser mmh. ça. Mmh. Et du coup euh, pour revenir un peu à de l'actualité un petit peu plus chaude même si ça ça monte un petit peu euh, ce qui s'est passé avec Nel est-ce que ça, voilà, ça t'a peut-être un peu rappelé, peut-être que, bah, en fait, les choses n'avaient pas forcément beaucoup changé, voire même depuis... qu'elle s'était dégradée. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivée dans mon établissement au, au blanc ménil je suis arrivée juste après euh, les émeutes de 2005, avec, dans mon établissement, oui. c'était très tendu parce qu'il y avait eu euh, un jeune qui s'était fait assassiner en juillet par une autre cité, et les deux cités étaient en concurrence dans mon établissement. Alors je me qu'à ce des... moment-là, ça ne devait pas être évident aussi d'aller travailler dans ces, enfin, je veux dire, dans ce contexte... Non, j'ai jamais eu de problème d'insécurité, mais par contre, non, pas, pas forcément par. Par rapport aux élèves, mais peut-être plus par rapport au rapport qu'ils pouvaient entretenir avec les forces de l'ordre ou des choses comme ça. Ah bah ça, ouais. oui, c'est euh... voilà. Mais mais donc euh, dans mon établissement, la situation était très tendue. J'avais plusieurs fois la police montée euh, par semaine devant l'établissement euh, et souvent c'est moi qui les appelais parce que il euh, y avait des des, des, des bastons euh, violentes. J'étais obligée de, de tirer mmh. les blessés à l'intérieur, d'appeler le SAMU, de voilà. Et en fait, ce que je, ce que ça m'a appris, euh, c'est que on est arrivé dans cette situation-là et en six mois, on a réussi à changer la donne parce qu'il y avait un nouveau chef d'établissement, une équipe Comme de quoi, CPE, possible. très motivée, mmh. une équipe enseignante très motivée. Et donc, ça m'a montré que c'est possible, qu'il en faut peu. Et qu'on peut, euh, à travers une stratégie éducative, qui n'est pas du tout une stratégie sécuritaire, mmh. on peut changer la donne. Parce que oui. si on était allé que sur des éléments sécuritaires, sur mettre des sanctions, des conseils de discipline et appeler la police, on n'aurait rien réglé. Mmh. Et par contre, on a eu un travail, il faut sanctionner quand c'est nécessaire, hein, ça c'est clair. Sûr. Mais par contre, le travail éducatif, de lien social, de raccrocher à l'école, etc., il est central. Et c'est ça, en fait, moi qui me met en colère peut-être le plus. Dans... Et j'ai plein de motifs d'être en colère tous les matins, <laughs> mais peut-être mon motif de colère le plus important, c'est ce sacrifice qu'on fait aujourd'hui au secteur éducatif et social notamment à l'aide sociale à l'enfance qui crève de ne pas avoir les moyens de, de fonctionner avec des milliers d'enfants qui sont en danger mmh. et qui sont laissés sans aucun accompagnement parce qu'il y a des logiques d'économie budgétaire sur euh, leur dos mmh. et ça moi j'en avais beaucoup quand euh, j'étais CPE et j'étais confrontée à des élèves qui étaient victimes de violences sexuelles par exemple et on ne pouvait pas leur trouver de place en foyer mmh. euh, et j'étais obligée par exemple de les envoyer toutes seules à l'hôtel ou de les renvoyer chez elles sachant mmh. qu'il il y avait des violences à la maison. Enfin, ça c'est gravissime. Et du coup, est-ce que la CGT, un peu pour revenir là-dessus, peut aussi avoir un, j'imagine, un point d'impact là-dessus Est-ce que quand, euh, bah, voilà, cette expérience, ça t'a aussi motivé dans ton combat avec la CGT à, à justement aborder ces questions-là qui concernent pas véritablement le monde du travail, mais qui concerne l'éducation et qui forcément impacte aussi... Euh... Bah oui, qui le concerne, parce que moi, militer, c'était une façon de défendre mon métier mmh. et de défendre mon professionnalisme. Et donc, je me suis organisée avec mes collègues pour pouvoir agir, revendiquer plus de moyens d'action, revendiquer aussi que notre temps de travail soit reconnu, bref. Et donc, la CGT, elle agit sur cette question parce qu'elle organise les travailleuses et les travailleurs sociaux, les, euh, les donc, enseignants, les, enfants, euh, euh, voilà, les assistants d'éducation, hein. euh, etc. Et qu'on réclame euh, les, les assistantes sociales qu'on réclame de meilleures conditions de travail et plus de moyens pour mmh. que il et elles puissent faire leur métier parce qu'aujourd'hui en fait euh, elles sont empêchées. Euh, je dis elle parce que c'est quand même majoritairement des travailleuses sociales, oui. euh, de faire leur boulot par manque de moyens. Et mmh. donc, il euh, y a une. Enfin, euh, ça devient extrêmement violent. C'est pour ça qu'il y a un déficit de vocation aussi. Euh, alors que moi, on n'a plus envie de faire ce métier aussi. Ben hein, bah oui, parce qu'on sait qu'on a un métier sur le papier avec des objectifs qui sont géniaux, mais qu'on ne pourra pas les tenir parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Et il n'y a rien de pire. Moi, je me suis retrouvée déjà sur le terrain. On a. Nous, les enfants, on les a en face de nous. Mmh. Donc, quand on a un enfant qui nous dit Je n'ai pas de quoi manger, je ne mange pas et le seul repas par jour que je prends c'est à la cantine et qu'on ne peut plus faire la gratuité à la cantine bah ça forcément c'est très grave mmh, mmh. c'est très intéressant et, et, euh, et j'imagine que du coup euh, ce qui se passe aussi dans le climat social ça, ça doit impacter aussi euh, euh, ben, l'implication voilà, les, les, euh, de la CGT aussi à être présente sur ces questions pour pas délaisser euh, euh, ben, voilà, euh, certains territoires aussi euh, j'imagine sur lesquels il y a euh, encore plus à faire et je pense aussi euh, notamment. Bah, euh, en fait, ce qui est grave, c'est qu'il y a des territoires, notamment ceux dans lesquels j'ai travaillé, où on n'en parle que quand il y a un mort. Et donc. Euh, typiquement euh, Bobigny, euh, là où ça, du coup, il y a eu euh, notamment dans la cité euh, d'où venait Naël, on en en parle, on n'a pas parlé, alors qu'en fait les gens, quand il euh, y a eu les, les documentaires, en fait, euh, ou les reportages, disent mais en fait ça fait, ça fait, je veux dire, ça n'a jamais changé, ça a toujours été comme ça. Ouais. Et ce serait bien aussi de pouvoir en parler. Euh, pas seulement quand il y a des drames. Oui, puis aussi, il y a plein de choses géniales qui se passent dans ces quartiers dont on ne parle jamais. De... Et mmh. nous, à chaque fois, moi, j'ai eu plusieurs fois des médias qui voulaient venir dans mon établissement et c'était à chaque fois pour parler euh, euh, de l'insécurité, etc. Par, et ils ne s'intéressaient pas du tout à tout le travail qu'on faisait dans l'établissement, euh, le travail de la communauté éducative avec les élèves et toutes les choses géniales qu'on faisait, ça ne les intéressait absolument mmh. pas. Et ça, je pense c'est un des premiers sujets de révolte aussi euh, dans les quartiers, c'est de dire... Euh, on veut qu'on parle de nous, mais en bien. En bien, oui. D'arrêter de misérabiliser aussi ces conditions-là. Oui, de nous traiter comme des racailles. Tout à fait. <laughs> voilà. Et bien, bah, euh, je pense que ce sera le mot de la fin. On a abordé toutes les questions. Euh, on a pu en apprendre plus euh, sur euh, tes responsabilités, ton engagement et puis euh, ton parcours. Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir été euh, avec moi aujourd'hui pour cette troisième édition du Local. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, malheureusement, on est un petit peu pressé par le temps puisque bah, Sophie est très occupée. Mais merci beaucoup déjà d'avoir euh, tenu bah, plus d'une heure avec nous. Et puis, bah, euh, écoutez, moi, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous, avez, euh, voilà, on a, on a, vous en avez appris plus, davantage euh, euh, sur, euh, sur Sophie Binet. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Je vais envoyer euh, la outro. Et euh, je vous dis à très vite. Euh, ce sera avec Usul le 14 décembre. Prenez soin de vous. Bye! Merci, à bientôt. À bientôt, salut mm.